Bienvenue à tous. Bonsoir et bienvenue à tous, mes chers compatriotes. Voilà. Je salue tout le monde. Partagez dès que vous rentrez. Voilà. Nous on hurrahment fop on jarnama. Haraï nous dit d'autres vidéos qui traduisent tendo. Haraï on a tiré hacké tant qu'il n'aura donc on t'y tout co direct. Haraï voilà. Vous allez m'excuser, mes chers compatriotes. Nous allons ici, il y a des vidéos très importantes, voilà, qu'on doit traduire ici, qui sont en Wolof et qu'on va traduire en Pular et en français, si le temps nous permet, parce que vraiment, c'est pas facile. Donc, voilà, merci, bravo, Diamant Baldé, bonsoir à vous tous, Tcherno. Donc, partagez au maximum. Mettez les cœurs. N'oubliez pas de mettre les cœurs et de partager au maximum. Nous allons essayer voilà, de mettre une vidéo ici en Wolof et on va essayer de la traduire en français. Voilà. Voilà. J'ai été contacté par les autorités guinéennes. Je parle en français. J'ai été contacté par les autorités guinéennes. Donc, hier, il prépare des élections présidentielles en décembre. Donc, en tant que, je ne sais pas, ben bouclier, Donc, parce que, bon, il a été contacté par voilà, les autorités guinéennes, ça vous l'avez compris. Voilà, Raiko, autorités guinéennes, ben contactez-moi. Hein, nous donnons des infos, Penani. Donc, bon, ben, Fall, il est tout comme un bouclier. Il voulait le prendre comme un bouclier. Quand on dit les autorités guinéennes, c'est le gouvernement guinéen qui l'a contacté. Lui, c'est un activiste sénégalais. Il s'appelle Mamadou Niass. On l'appelle sur son nom, sur sa page, il s'appelle Mola. Mola Morgan. Voilà, Mola Morgan. Donc, voilà, c'est son nom. Mamadou Niass, donc, Benamo Mola Morgan. Donc, ça va être un peu, voilà, difficile, mais bon, on va essayer de le faire. Voilà. vous expliquer un peu. Ils ont contacté certains leaders, je dirais, ou bien certains patriotes, ou bien, je dirais, certains influenceurs, ou bien des liveurs. Donc, moi, peut-être, le gouvernement guinéen a vu que, vraiment, une partie du peuple, lui, bon, ça m'a dit, ça fait un impact, voilà. Donc, le gouvernement guinéen a vu que lui, c'est un influenceur. C'est, comment dirais-je, c'est live, voilà. Ses sorties ont beaucoup d'impact sur la nation. Donc, voilà, c'est à cause de ça. Ils ont contacté, pas lui seul, hein, mais beaucoup. Donc, ils m'ont influencé des mots, donc, contactez-moi. Voilà, mais contactez Kadiboui, Ender Lady. Donc voilà. Partagez-moi, c'est très important, pour que les gens puissent comprendre. Voilà ce que lui, voilà, Mola, il a dit en Wolof. Voilà. c'est l'Italien Diallo, ok, mon mini Sénégal, il rassemble les Guinéens, les Peuls et tout ça. Et président Guinée, mon Bougoul, c'est l'Italien Diallo, donc élection présidentielle. Donc voilà, ils disent que voilà, ils l'ont dit que Seydou Dalein Diallo est au Sénégal là-bas pour rassembler les peuls, voilà, pour rassembler les peuls. Donc lui, alors que le gouvernement, le président là-bas, Mamadi Doumbouya, ne veut pas que Seydou Dalein Diallo, voilà, revienne. Donc voilà, wo Seydou Dalein noyé Sénégal ton, nous rassemblons des foules bébé. Oui, allez Guinée bébé, ou au foules bébé. Donc on va dire inni wo haray kanko Mamadi Doumbouya o ida voilà c'est le dalen arta donc ko dun don den woni ko fuddi wolde do Chéli, mon bouga dem, mon bouga bok ti élection yi, mon bouga dem. Donc il a trouvé que les Guinéens du Sénégal dañ koy saga, dañ koy contre, dañ koy xex, et dafa japp ni ci l'Italien Diallo opposant bi dafa yor xaliss moy financer boy Guinéen nek Sénégal ñukoy xex. Donc il dit que donc voilà, c'est Seydou Dalein Diallo qui a contracté des comment dirais-je
des influenceurs guinéens, voilà, des liveurs guinéens qui font des lives, des blogueurs, pour l'insulter, lui, le président Doumbouya, voilà. Et c'est lui qui les finance, donc il pense que c'est Sellou Dalein qui les finance. Donc ce sont des accusations, voilà. Waharay kambe wo kobe inni odo kambe gouvernement guinéen on contacte bobo ben waharay ko yobe andu wonde mako Sellou Dalein woni ko woni jettude ton den wadobe vidéoji fi ko yennamo kanko Doumbouya o kanko woni finance de be donc voilà haray ko dun don den woni motifon ko be imminirimo kon fi yo attaque Sellou Dalein Diallo. Di ko defal live di ko saga donc au moment donné à travers ay conseil il a vu que dafa ma soxla pour man tamit ma taxaw diko xéxal bir Sénégal contrer ay nonam. Donc, à travers maintenant conseiller bébé Doumbouya Diogui, ben, gouvernement guinéen, donc, ben, il n'y wande ma, wo haray hibe, hato nginye sifa odo, fiko wali tomo, quoi. Fiko wali tomo. Donc, ils ont dit que, voilà, à travers les conseillers du gouvernement, donc, ils ont jugé nécessaire de contacter Mola pour pouvoir travailler, pour pouvoir les aider, voilà, à dénigrer Sellou Dalein. Voilà. Moi, poli, contre-len, xex-len, parce que pour madame ton représentant, quoi, le président Doumbouya. Quelque C'est-à-dire chose. à dénigrer Sellou Dalein et les Peuls. En quelque sorte, être son représentant, quoi, au Sénégal, là-bas. Donc, voilà. Waharay, koyo wallitobe, haray fi nobe wawira, aybi nirgol Sellou Dalein et fulbeben. Manam, wana dal, wana représentant mabbe, quoi. Wana représentant mabbe, voilà. Une proposition, bon, ramener, comme je l'ai dit ici, je l'ai rejetée catégoriquement. Voilà. Parce que moi, je suis un panafricain Wo Japan au et on m'a Fiukanko. mêlé aux petits problèmes réels, Donc problèmes internes réels. Je me suis mêlé. Moi, je suis en Afrique unie, comme nous, Amérique donnée, comme. lui, il a rejeté catégoriquement l'offre. Voilà, il au sali complète Wokanko Djabali Fiukanko be propose animo donc on au passé Kanko ko panafricain. Donc Kanko ko wosi mo susu no wo Afrique fop wona no hunde wotere. Comme no Amérique woniri non, comme no Europe woniri gunde wotere. Donc wo kanko wo ko dum woni. Donc lui il dit que c'est un panafricain, il a rejeté complètement. Donc lui si vraiment si seulement c'était pour lui, l'Afrique allait être unie, une seule allait être un seul et indivisible comme l'Europe par exemple et les États-Unis. etc. etc. ñun Afrique dañ koy doon donc man gisuma ay xéet gisuma ki mo gën ki gisuma nono gisuma lolu bu politique wesso man Afrique moma yitel Afrique bolo parce que panafricain lay wote donc je ne suis pas dans ça bokuma ci idéologie bobu donc je l'ai regretté catégoriquement duma dugg ci problème yi réew donc il m'avait vraiment proposé de m'acheter un billet d'avion, je sais pas, high class ou bien classe romaine, je sais pas, c'est pas important pour moi. Bon, donc Donc voilà, il l'avait proposé, voilà, les conseillers de Doumbouya l'avaient proposé de l'acheter un billet d'avion, classe, voilà, VIP, voilà. Donc business, voilà, classe business. Donc voilà, mais lui, il a catégoriquement refusé l'offre parce que lui, il dit que voilà, pour les histoires d'un pays, interne, lui, il préfère ne pas se mêler. Donc voilà, Wohare Kanko, me propose un nom, soit d'angol mon billet avion, fio yo Guinée, harako classe business. Donc classe donc pour donc ben niveau que yo ben fio ben yo tout donc au cano Kanko catégoriquement au sali non quoi parce que Kanko est fi affaire guerre and their lady politique lady wo kanko jananiri wo kanko wo mo préféré kanko wo jentitagol wo kanko wawata natude e hakkunde hono yantela ni nder leydi ni o wawata natude o memmina guerre donc o duman no kan comment dirais-je o ukkito ton den wo kanko dun don den kanko o tawaka dum voilà
Donc voilà, donc voilà, j'ai perdu le truc là. C'est ça. Voilà. J'ai été contacté par les Voilà. autorités. Moi, j'ai eu un problème au Voilà. Guinée. Je suis allé voir, je suis Voilà. allé voir, je Donc, ouais, c'est. Il y a Cheikh Bara, il y a moi, Voilà. il y a aussi. Bon, Ben, il faut donc, vous on peut contacter. voir Voilà. parce que. Même Kaïs Fof. Voilà, Wax Kaïs nañ ma Fof. ñu wax. Wax nañ ma, bon, wax nañ ma, ça ne m'a pas accepté, mon tard. Mais mon intéressé au moins, je commence à dire, ci turum. Il y a. En tout cas, am nañ ñu contacter, 4 à 5 ñu contacter, yo xamni dañu président Guinée bi dafa bëgg koko jappalé ci dafa bëgg koko jappalé ci lool dafa bëgg koko jappalé ci combat bobu donc ñom décembre lañu def sen élection et tout ça. Donc voilà quoi, vous savez, c'est très important. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que c'est tellement, comment dirais-je, les gens sont tellement manipulables. Donc il faut que les gens sachent que voilà ce que font les gens qui sont autour de Doumbouya. Voilà, c'est des gens qui sont autour de lui qui font ces genres de propositions, des conseillers. Donc voilà ce qu'ils disent. Voilà. Maintenant ceux-là. Ils se lèvent, ils vont, ils sont en train maintenant de dénigrer les peuples, hein, à tous les niveaux. C'est des mauvais, c'est rentré là, c'est sorti là, mélanger tout le monde, alors que tout simplement c'est parce qu'il y a des gens qui ont déposé un budget spécialement pour ça. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça, comme Mola, qui a refusé catégoriquement. Donc voilà, et il faut que vous sachiez qu'il y a d'autres qui ont accepté. Vous avez vu par exemple la photo ici de Kaïs Fof. Par exemple, Kaïs Fof, tout le monde déjà savait que lui, il faisait partie des gens que le CNRD a contratés pour vraiment travailler avec eux, pour aider la junte, voilà, à mentir, voilà, à diffamer, voilà, à manipuler les gens. Donc ça, on le savait. Donc voilà, Harry contacté déjà, comment dirais-je, Wanayo, Himbe, Nayo Menda. Donc haray o goddo gondo do de ngi photo makko wiyete do Kaïs Fof on dongi don andi déjà ko kanko wonno kadi fondo Maurice Sanda nanga ko kanko kadi be imminno ko kanko tigi yobanano passi o yeyi Guinée be monti ton dem pénal pas pénal à la façon ko be montandi. Donc voilà, heureusement on andi kon no wadi sita yawri den golde dun do ko parce que c'est très important. Himbe be no woni trop manipulable, himbe be. C'est-à-dire, fi djibugol hakkille himbe même ben c'est très facile. Jama africain on no weli daynou de. Donc on doit dire c'est très important qu'on essaye d'expliquer ça. Harako poular madou en français voilà himbe ben fama. Donc c'est pour cela qu'on explique. Voilà, il faut que les gens sachent que c'est-à-dire les ceux qui sont autour des gouverneurs, c'est-à-dire c'est des gens qui sont très mauvais. C'est-à-dire eux ils font tout possible pour ne pas que leur gagne-pain se détruit. Donc, ils essayent toujours d'aider les gouvernants à pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc, ce sont ces pratiques-là voilà ce qu'eux, ils conseillent. Ça, c'est les conseillers des gens qui gouvernent. Taï Roussard aussi, l'ont contacté. Même Taïdou Soit Sarr, ils ils l'ont l'ont contacté. contacté, ou on a Taï Roussard le lendemain, voilà Coco. D'accord, mais. Parce que nous avons contacté Nengo. Ce n'est pas Taï Roussard qui m'a dit qu'on contacte Nengo. Ils ont contacté Taï Roussard. C'est-à-dire, c'est pas Taïrou Sarr qui lui a dit qu'ils l'ont contacté. C'est eux-mêmes, les conseillers des gouvernants de Doumbouya, c'est eux qui ont dit à Mola, ce monsieur, qu'ils ont déjà contacté Taïrou Sarr. Taïrou Sarr, c'est celui qui est le Sénégalais qui est en Sénégal, qui est en train de mélanger, qui est toujours sur les peuls guinéens et sur les Guinéens en général, mais surtout les peuls, soi-disant que les peuls, voilà. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils ne respectent pas les normes, les peuls doivent quitter, les peuls, comment dire, doivent, comment dire, coûte que coûte, on doit les mettre des 4 séjours, on doit maintenant, comment dirais-je, les interdire même la rentrée, on doit les, c'est-à-dire, de dénigrer tout ce qui est étranger, mais surtout en particulier les Guinéens. Voilà, c'est ça que Taïrou Sarr, c'est son combat, lui. Donc maintenant, lui, il nous fait savoir que déjà, il l'avait contacté. Voilà, on l'avait contacté déjà. Donc après, j'ai appelé, même si c'était, ça fait
deux semaines. On m'a contacté Taïro Sarr, on en a parlé, mais il m'a dit qu'il a rejeté lui aussi catégoriquement l'offre de Taïro Sarr. Il a menti, il n'a pas rejeté lui. Lui, il travaille sur ça. Taïro Sarr, il n'a pas rejeté, il a menti. Donc, voilà, tu le m'as dit, c'est vrai. Ils ont contacté Taïro Sarr, ils ont contacté Cheikh Bara. Cheikh Bara aussi. C'est lui qui a accepté, il travaille avec eux. Pan-africain, je réclame l'Union africaine, je réclame la libre circulation des biens, des personnes, mais je ne rejette pas aussi une carte de permis de travail ou bien des cartes de séjour. Ça, je ne le rejette pas. Depuis Djambour, ça va, Manu Ladjam, quoi. Surtout politique interne Djambour, Manu Ladjam, quoi, sincèrement. J'ai la possibilité de parler avec... Voilà. Donc, voilà ce que, comment dirais-je, Moula disait. Lui, sincèrement, il a rejeté catégoriquement. Voilà, il n'est pas d'accord avec ça. Lui, il pourrait... il est d'accord, par exemple, sur la possibilité d'établir des cartes séjour. Lui, il est d'accord sur ça. Mais la politique étrangère d'un pays, d'un autre pays, lui, il préfère... être vraiment un superviseur, mais pas quelqu'un qui s'implique dedans. Donc voilà, en fait, ce que lui, il disait. Donc il parlait d'un autre encore qui a été contacté, lui aussi. Voilà, c'est les mêmes façons. C'est tout, voilà, contre Sellou Dalein Diallo. C'est tout contre Sellou Dalein Diallo, mes chers compatriotes. Haraïko non woniri, haraïko fou, fi, sadiko fitum. Kalugol Sellou Dalein Diallo ko fi aybingol sello ko fi yo himbe ben fo agnu sello ko dou woni programme fop, c'est ça, c'est pour ne pas que Sellou Dalein yo hotu ko men ko pour ne pas que Sellou Dalein yo hebu buttu kala ko yeyi donc ko dun don woni programme CNRD. Voilà, donc juste un voilà. Ça, c'est l'autre personne aussi qu'ils ont contacté. Voici l'autre personne qu'ils ont contacté. Bim fi duggé pali fouta yu bari guinéen yu bari dañ leena dak dañu war daw dëkk ba parce que racisme gi duggu ci réew yi ñu wër am ñu daw duggu fi fekk Sellou Dalein Diallo man nak ci luma xam ay source sûre té la la nak mënuma wax ndax xam nga ko manki liste yi man bientôt man dama nekk député am na lo nga xamné bu mako waxé day engagé président Diobaye waye source sûre que né xex bobu ñuy xex autorité guinéen yi di jité guiné jamono ji ñu nek ñom dañuy jéma financer fi ay nit pour ñu continuer leen xéer bi xatal la leen Seydou Dalein Diallo ak guinéen yi bañ at fi genn. Voilà, lui il dit que vous savez tous que les Guinéens ils ont des problèmes au pays, donc c'est pour cela qu'ils sont qu'ils immigrent au Sénégal. Voilà, mais il a des preuves sûres. Il y a certaines choses qu'il ne pourra pas dire, qu'il ne pourra pas révéler, certains secrets qu'il ne pourra pas dire, parce que sinon ça va, lui il doit être député, ou sinon ça va engager encore, voilà, le président Diomaye Faye. Donc tout ça, il dit c'est des secrets qu'il ne va pas révéler, mais il dit ce qui est sûr et certain, il a des preuves à l'appui, c'est-à-dire que l'autorité guinéenne a contraté des gens au Sénégal, des influenceurs, pour pouvoir dénigrer Sellou Dalein Diallo. Voilà. Donc, voilà, Sellou Dalein Diallo, l'objectif des autorités, c'est Sellou Dalein Diallo. Voilà. Et voilà, pour ne pas que vraiment qu'il ait la paix au Sénégal là-bas. Donc c'est ce que, en fait, il est en train de dire ici. Il y a, voilà, c'est à peu près la même chose avec l'autre. Comme pour ne pas que ça soit long, on va arrêter là. Voilà, dire à tout le monde, voilà,
ce sont les mêmes discours, ce sont les mêmes, c'est les influenceurs. On en a beaucoup parlé auparavant, mais maintenant c'est les preuves qui commencent à sortir. Quand on vous dit que la vérité triomphera, sachez que nous l'inventons pas. Nous n'inventons pas ça. C'est parce qu'on sait que la vérité triomphera. Donc, tout ce qui se va se faire. Vous avez vu, par exemple, l'autre jour, Agile King. Agile King, sans vouloir, il a envoyé à Damaro des audios. C'est-à-dire que lui-même, il ne peut pas, c'est-à-dire il ne sait même pas comment ces audios sont arrivés à Damaro. C'est parce que c'est la vérité qui va triompher. Donc, c'est pour cela que je vous dis que cette année-là, la Guinée, à partir de 2025, la Guinée va se retrouver, la Guinée va, comment dire, la vérité va triompher et les Guinéens vraiment retrouveront la liberté, voilà, et la nation sera vraiment à nos portraits parce qu'actuellement, le pays est pris en otage. Mais à partir de l'année prochaine, janvier, le pays reviendra à nos portraits, au peuple de Guinée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, mes chers compatriotes, voilà, c'était pour vous dire plus ou moins, voilà, comment ces influenceurs ont été contractés, ont été, comment dirais-je, contactés par les autorités guinéennes, des influenceurs sénégalais, contactés par les autorités guinéennes, des conseillers, des gens qui sont autour du gouvernement guinéen, qui ne veulent pas que le gouvernement perde le pouvoir. Ils veulent coûte que coûte dénigrer Seydou Dalein Diallo à tout prix, mais à tout prix. C'est-à-dire ils ne peuvent pas dormir s'ils ne parlent pas de Seydou. Ils ne peuvent pas dormir s'ils ne... C'est-à-dire c'est Seydou qui les empêche de dormir. C'est incroyable. Regardez-moi comment ils sont en train de salir l'image de la Guinée. Ça, c'est salir l'image de la Guinée. Aller chercher des influenceurs des pays voisins pour dénigrer des grandes personnalités de la Guinée. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Mélanger les Peuls et les Sénégalais. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Mais bon, Dieu est là. La vérité va triompher, Inch'Allah, Rabbi. Hein? Mamadou Ba, gracias a ti también. Partagez au maximum, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, je suis très content. J'ai écouté l'interview sur RFI. Vous savez, aujourd'hui, Juan Gomez est à Conakry. J'ai vu l'interview là où ils ont invité les journalistes, voilà, et l'opposant Aliou Ba. Aujourd'hui, je vais dormir bien grâce à Aliou Ba modèle. Merci, mon frère Aliou Ba. Merci beaucoup. C'est-à-dire, il a bien lavé proprement le CNRD. Mais il a bien lavé, c'est-à-dire, je ne sais même pas où il a acheté le savon, mais il a très bien lavé le CNRD. C'est incroyable. C'est-à-dire, Aliou Ba, actuellement, c'est une référence en Guinée, en matière d'opposition, sincèrement. Mais sans les insulter, sans les manquer de respect, les laver proprement avec du savon. Non, c'est extraordinaire, Aliou Ba. Mais tu es fort. Waouh. Allez-y, écoutez l'interview. C'est-à-dire, non, non, Handemi, sincèrement, mi dano. Aliou Ba, mi inyo, no lavi, no loti, mi inyo, CNRD, on, no loti, mi hambe lavi, proprement. C'est-à-dire, o wawali, c'est-à-dire, o yenna libe, o aibina libe. Mais au lambe gonga. Gonga e hore tête dungal. Fami. Donc, kokanko e, premier ministre, on baouri doit no yaw de baouri hetaki wo. Donc, baouri non, conseiller de Macon, yette balde du gouvernement, comme un conseiller de Macon, on donne non, o wakilike dey, kono non o hersi dey. Parce que vraiment, no wodi ko wawa take d'artede. Sifadundo, c'est-à-dire, Penale de Bejokiden, Lundoden, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, wallahi. Donc, Awawata Darana de Sifandem Fernande, donc, Wata Marsoude. Donc, mes chers compatriotes, j'étais venu pour nous traduire un peu ces vidéos-là des influenceurs sénégalais.
Voilà, haray hande comme innataum. Voilà, je vais dire ça en français et en poulard et puis je ferme la vidéo. Voilà. Ce que je veux aujourd'hui, ce que je vais demander, c'est que les forces vives de Guinée, la société civile, tout ce que je vais vous demander, c'est que vraiment que vous regardiez l'intérêt national de la Guinée. L'intérêt suprême de la Guinée. Vos intérêts personnels, mettez ça à côté. Parce que nous voulons aller plus vite. Nous voulons aller plus vite. Il faut un consensus. Donc, essayez de vous entendre. Sachez que c'est la Guinée d'abord. Sachez que vraiment, il est impératif qu'on ait un consensus. Ça, il ne faut pas s'amuser. Il faut vraiment aller vers l'intérêt de la Guinée. Vous savez très bien ce que c'est. Vous savez très bien ce que vous devrez faire pour que Doumbouya puisse plier ses valises et partir. Ça, vous savez ce qu'il faut faire pour ça. Donc, allez-y directement. Allez-y directement, je vous en prie. Je vous en prie, entendez-vous. Regardez l'intérêt national. Regardez l'intérêt de la Guinée. La Guinée, les Guinéens ont beaucoup souffert. Donc, ne soyez pas politique, soyez humain. Je parle aux forces vives. Je parle à la société civile. Cette fois-ci, avec le bras de fer que Doumbouya nous a tendu, il faut qu'on soit plus souple. Il faut qu'on soit plus intelligent. Il faut qu'on soit plus humain. Voilà. Mes chers compatriotes, sincèrement, il faut que ça soit vraiment... C'est-à-dire, il faut que ça soit vraiment plus clair, plus propre, plus humain. C'est-à-dire vraiment pour que tous les Guinéens se lèvent ensemble. Pour que tout le monde sache que la décision que vous avez prise, c'est-à-dire c'est la meilleure décision. Donc voilà, je vais dire sans poulard et puis je vais arrêter la vidéo. Haray musibbeen, haray komi tori do den ko fi force vive et société civile. Voilà, haray ko fi force vive et société civile. Haray komi inni ko be eto etete din fop be nantondira e ngal. Yobe waawu wonde banu adama. Yobe waawu ndarude sincèrement intérêt national, intérêt guinéen. Yobe innu ko Guinée taw. Yobe accirni intérêt ji mabbe personnel din. Yobe ndaru ko tawatani ko dum do nafata leydi din. Yobe ndaru ko hubbata hada daano taako. Yobe ndaru ko tawatani si be wadi Guinée fo immoto daro. Mamadi Doumbouya sowa valise ji mundi, sowa cionci mundi nada ko valise mun dangalaawol mun doga. Tellement que haray c'est fort. Haray ko be andu jama fo no habibe. Fo no habbi décision force vive de Guinée société civile. Fo no habbi on décision. Donc parce que il faut que ça soit fort. Haray ko dum wadi simi inni hambe be andi ko hondum be wawata wadude hada vraiment si be tapi ko tabal lagine fo imay jokka fop imoto jokka donc haray dum donde non ko yon andu ko onon tun jentita voilà haray mi do tori on yo ndaru ko Guinée be sonji kon sabunade ma lagine lanni sonjade himbe be ngi no wela himbe be no tampi himbe be vraiment c'est-à-dire hay hendu himbe be ala hebude acce fi Allah accire ni ndarugol intérêt personnel ndare intérêt guinéen djon haray ko dum mi falno beedi tan de onon force vive de guinéen et société civile onon dum men jentiti ndare ko nafata lagine ko yandi men djéji o voilà haray ko je vous dis bonsoir à tous et voilà et à très bientôt haray mi hewti dès que possible inchallah rabbi le combat continue. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons.